Et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, toute cette journée, nous célébrons le don qui nous est fait du Saint-Esprit, qui peut paraître pour certains quelque chose d'assez irréaliste ou plus précisément d'intangible, mais c'est bien tout le contraire. Essayons aujourd'hui, pendant cette messe, de rapprocher nos cœurs du cœur de Dieu pour recevoir ce que lui a prévu de nous donner à chacune, à chacun dans cette assemblée. Nous serons de tout cœur unis à la prière avec les sœurs de Champfleury et le père Régis-Marie et quelques familles qui sont parties accompagner notre frère Isaac, Thérèse, qui fait aujourd'hui ses vœux, qui prononce ses vœux perpétuels à Rimont chez les frères et que nous voulons porter dans notre prière. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ est l'Église.
Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arrivera le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lecture de la lettre de saint Paul à Paul, apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit-Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair,
avec ses passions et ses convoitises. Mais puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père ? Lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Frères et sœurs, l'Esprit Saint, ce grand inconnu, nous est présenté aujourd'hui, nous est offert aujourd'hui, nous est donné pour que nous puissions vivre pleinement ce que nous sommes appelés à vivre. Nous avons le choix dans notre vie de vivre selon la chair ou de vivre selon l'Esprit. Vivre selon la chair, c'est vivre ce que notre nature nous dit de vivre, notre colère, notre faim, notre soif. Notre colère, notre soif, tout ça. Et on voit bien que ça nous mène à peu près nulle part. Et Dieu nous propose, lui, de venir habiter notre vie pour la transformer de l'intérieur, de manière à ce que nous ne vivions pas de nous-mêmes, mais de lui en nous. Le don de l'Esprit-Saint n'est pas fait comme une sorte de... un don comme on mettrait de la laque pour que ça brille ou que ça tienne bien tout comme il faut, pas du tout. Le don de l'Esprit-Saint est un don qui nous est fait pour que de l'intérieur, en acceptant, en coopérant, en collaborant chaque jour et en s'offrant à lui, il puisse venir agir en nous, pour nous transformer de manière à ce que ce ne soit plus nous, mais le Christ qui vive en nous. D'ailleurs, dans cet évangile, c'est beau, parce que, voyez, Jésus, pendant toute sa vie terrestre, dit, voilà, je ne vous ai rien dit qui vient de moi, rien ne vient de moi, tout vient de mon Père. Des miracles, c'est mon Père qui m'a dit de le faire, alors je le fais, parce qu'une fois de plus, il veut vous montrer qu'il vous aime. Bande de gens qui croyaient que le bon Dieu ne vous aime pas, alors je fais des miracles, et je prêche l'évangile, et je vous le dis, et il en fait, il en refait, et il a eu raison, puisqu'il a fini crucifié par... comme remerciement de l'humanité absolument joyeuse que Dieu leur parle. Mais non content de cela, il est quand même passé par la croix pour obtenir pour nous le salut éternel. Mais pour que sa mission continue, dans l'ensemble de son royaume, qui est cet univers dont il vient de prendre pouvoir à l'ascension, bien l'Esprit nous est donné, qui va puiser dans le cœur de Jésus ce que le cœur du Père y a mis. Esprit Saint, Jésus-Christ, Père.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre vie consiste à puiser au cœur de notre Père ce qui est bon pour nous. Nous n'en sommes pas capables humainement. L'homme est fait de guerre. L'homme est fait de mensonges. L'homme est fait de toutes ces choses qui sont terribles. Nos vies sont terribles, je trouve, parce que nous sommes petits et mesquins. Parce qu'on est incapable de se remettre en cause. Et quand je dis « on », c'est un « je » que je mets derrière. C'est si difficile de se remettre en cause. C'est si difficile de ne pas juger selon l'apparence. C'est difficile de ne pas traiter les gens de ceci ou de cela, de se mettre à leur place. C'est si difficile d'écouter et de vouloir la volonté de Dieu, parce que la nôtre est bien meilleure, évidemment. C'est si difficile d'accepter que nous ayons des opinions et que nous ne possédions pas la vérité. C'est si difficile, parce qu'on ne peut pas humainement faire autrement. On ne peut pas, c'est impossible. Sauf que cette pente naturelle humaine nous emmène à la déchéance et nous éloigne de Dieu et ne nous amène pas au ciel. C'est pourquoi le fait que nous ayons un sauveur se manifeste dans le don qui nous sauve, le don du Saint-Esprit qui nous sauve vraiment. C'est-à-dire que nous sommes sauvés. C'est pas grave d'avoir cette pente naturelle dans la mesure où nous acceptons en même temps d'accueillir le Saint-Esprit qui va corriger cette pente naturelle petit à petit. Et chaque jour qui nous est donné est une journée de plus pour pouvoir transformer notre vie, pour demander à l'Esprit Saint le matin, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Qu'est-ce qui doit aller mieux? Qu'est-ce que je dois faire autrement? Viens toi-même prendre la place que je n'ose pas te laisser prendre, Esprit Saint. De temps en temps, il faudrait faire comme Sainte Thérèse et lui dire, Seigneur, empêche-moi de faire le mal. Viens toi-même prendre la place, mais faisons-le. La Pentecôte, cette fête où quand tout le monde, l'Esprit Saint, agissant, s'est manifesté et tout le monde a vu qu'ils parlaient tous les langues des autres. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est venu leur montrer qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence, de la volonté, etc., ça lui appartient. Qu'il peut passer par tout ce que nous sommes. Il peut passer par n'importe quel gars qui passait là. Il peut passer en chacun d'eux pour leur faire comprendre, pour leur faire entendre leur langue maternelle. Mais notre langue maternelle fondamentale, c'est la langue de notre Père du ciel, c'est sa volonté. Pour nous, volonté veut dire contrainte, mais non, volonté de Dieu égale liberté profonde. Notre langue maternelle, c'est la liberté profonde que Dieu nous propose. Mais il nous faut accepter de pouvoir nous y convertir chaque jour par le Saint-Esprit, en nous affranchissant petit à petit de notre volonté propre sur tout, pour acquérir de plus en plus sa volonté à lui, pour acquérir en plus, de plus en plus sa douceur à lui, pour acquérir de plus en plus sa propre volonté, qui est d'abord don, amour, sagesse, paix, générosité. Nous rêvons tous d'avoir ces vertus. Nous voudrions tous être ces gens-là. Eh bien, la porte, c'est Jésus. La clé, c'est l'Esprit Saint. Alors, en cette fête de Pentecôte, frères et sœurs, ayons un cœur grand ouvert pour notre conversion. L'Esprit Saint n'est pas donné parce que c'est comme ça et qu'on le fête, non. L'Esprit Saint nous est donné comme la réponse à la question fondamentale, à ce besoin le plus profond qui est en nous, celui d'être aimé, d'aimer, d'être qui nous sommes. Je vous invite à demander à Dieu ce cadeau que moi je demande pour chacune et chacun parmi vous, le cadeau du renouvellement de notre vie dans l'Esprit Saint. Si vous venez à la messe, c'est que vous avez toujours cette amertume, que vous avez toujours ce gros dossier qui tourne dans vos têtes tout le temps, que vous avez toujours toutes ces choses qui vous empêchent, c'est parce que l'Esprit Saint n'est pas à cette place-là. Alors ça peut prendre la place. On ne combat pas l'ombre, mais on allume la lumière. Frères et sœurs, la lampe de l'Esprit Saint doit être allumée chez nous. C'est pour ça qu'il y avait une flamme sur les apôtres. Il faut allumer cette flamme pour que cette flamme vienne brûler les choses, pour que cette flamme vienne prendre nos ténèbres et qu'on se rende compte qu'en fait les ténèbres nous empêchaient de voir
qu'elles sont minuscules. Prenons nos problèmes, ils sont rikiki, ils sont tout petits devant la grandeur de la flamme et de la lumière de l'Esprit-Saint. Alors pendant cette messe, frères et sœurs, recevons avec puissance l'Esprit-Saint et invoquons-le sur nous tous pour notre conversion et le salut du monde. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître, pour que l'Esprit-Saint renforce encore les paroles du pape François lorsqu'il appelle à la paix et à la justice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Pour que les artisans de paix soient entendus sur tous les lieux de conflit et d'incompréhension entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, afin que toute personne qui est à un tournant de sa vie, baptisé, confirmant, jeune couple ou séminariste sur le chemin de la prêtrise, perçoivent l'élan créateur qui vient de l'Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Pour que le souffle de l'Esprit accompagne notre communauté paroissiale, renforce son élan missionnaire et l'entraîne à annoncer clairement la bonne nouvelle de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres, par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte, te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Paix sur ton serviteur, le pape François, sur nos évêques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions pour Eliane Beau et Yvette Potvin, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prends pitié de nous,
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez de vos cœurs.
Quelques annonces, frères et sœurs. Nous vous invitons aujourd'hui, si vous le désirez, à venir partager un pique-nique au presbytère dans la cour. Profiter du beau temps et puis de nous retrouver d'une manière simple en respectant les bonnes distances. Et puis cet après-midi, de 15h.